quoi ce type de mobilisation aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, on se mobilise contre cette inflation sécuritaire, donc cette baisse de limitation de vitesse sur le réseau secondaire bidirectionnel, de passer de 90 à 80 km/h. Donc voilà pourquoi aujourd'hui cette action en Moselle. Alors, ce n'est qu'un projet de loi ? C'est qu'un projet de loi, certes, mais effectivement, il y avait Monsieur Manuel Valls, donc qui préside donc le CNSR, n'était pas contre une expérimentation justement de l'abaissement des limitations de vitesse avant l'été. Donc, comme c'est une mesure très impopulaire, pour ça qu'on se manifeste. Alors, des études disaient que ça préserverait 450 vies. Il y a un autre moyen de préserver ces 450 vies ? Oui, si c'était aussi simple que de réduire la vitesse. Ça fait longtemps que, effectivement, c'est dans les tiroirs, puisque ça date de fin 60, hein, effectivement, sur une étude suédoise, donc qui dit que, effectivement, on baisse la vitesse donc d'un objet en mouvement. Forcément, l'impact sur l'accidentologie a forcément donc une répercussion. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ça n'est pas que ça. Il ne faudrait pas que ça occulte tous les autres aspects. Donc la route, le comportement, l'incivilité, etc., etc. Oui, justement, quels sont les autres moyens d'améliorer cette sécurité routière pour les motards en colère ? Alors justement, nous, on est dans un débat contradictoire, puisqu'on pense qu'effectivement, la vitesse est qu'un des seuls moyens, éventuellement, mais ce n'est pas le seul. Et là, on a l'impression qu'en baissant la limitation de vitesse, on arriverait à baisser le nombre de tués aujourd'hui, qui est de 3250 sur l'année 2012, de faire baisser ces chiffres. Donc le problème, c'est qu'il faut bien comprendre, donc il y a une baisse de 11%, mais tous les pays européens tendent vers cette baisse. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir aussi que, comme je vous le disais, il y a peut-être l'éco-conduite à développer, qui permettrait de faire des économies donc, sur les automobilistes, le comportement, le téléphone au volant, les incivilités. Donc il y a tout à remettre à plat et à remettre effectivement peut-être dans les formations initiales donc au permis, à remettre effectivement certaines choses. Alors quelles sont les prochaines actions que la Fédération française des motards en colère vont développer ? Écoutez, par cette manifestation d'aujourd'hui, donc au niveau national, puisque nous ça se fait ce matin, mais les autres antennes effectivement fédèrent donc sur l'après-midi, on espère effectivement se faire entendre. On est ouvert à la négociation, ces actions seront répétées si effectivement une loi devrait imposer donc ce passage à 80 km/h. Donc effectivement, on n'est qu'au début d'une possibilité de négociation. On reste ouvert. West Coast to the Midwest, down south, where most nobodies live best. Tattoos on your chest, on your face, bandana, that is my last L.
You got the gift to make me perfect, you said.